Est-ce que vous serez de ceux qui pousseraient, et on en finit avec le passé, votre propre famille à faire des réunions, même internes, d'autocritique de la période allant de l'indépendance à aujourd'hui? Je ne peux pas dire c'est ma propre famille. Moi, ma propre famille, c'est le New Destour. Mais quand il y a eu maintenant le changement avec l'avenue de Ben Ali, moi, personnellement, j'ai glissé de l'autre côté depuis les années 92. Vous vous êtes mis volontairement entre parenthèses. Oui, parce que j'étais plus d'accord, etc. J'étais président de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée nationale. On m'a viré presque. Mais enfin, avec le doigté voulu. Et donc j'ai quitté depuis ce moment-là. Mais je suis certain qu'il y a eu des exactions qui ont été commises, il y a eu de la corruption, il y a eu de la violence. Et effectivement, il faut quand même couper avec cette façon de gouverner. Donc moi-même, j'ai toujours dit que le problème du parti unique, du président unique, du système unique, doit être dépassé. Et nous devons maintenant initier un processus évolutif vers une gouvernance normale et vers un système démocratique. On peut pas, la démocratie, ça ne se décrète pas, ça se pratique. Donc il faut du temps. Ça s'apprend. Il faut initier un processus. Et j'ai dit que, malheureusement, lorsque nous avons fait des élections, ce n'est pas la démocratie, c'est peut-être la porte vers un système démocratique. Lorsque nous avons fait les élections le 23 octobre 2011, nous avons constaté que le paysage politique n'était pas équilibré. Il y avait un parti qui était bien organisé, qui était discipliné, qui avait une référence idéologique avec Dieu. Il a obtenu des résultats. Figurez-vous qu'avec le même nombre de voix, la NADA a obtenu 89 sièges. Avec le même nombre de voix, il n'y a pas eu un seul siège qui soit attribué à un autre parti. Et le reste, c'était la somme des partis, etc. Bon. Alors moi, j'ai bien réfléchi et j'ai dit que la démocratie, c'est avant tout les conditions de l'alternance. Or, quand le paysage politique n'est pas équilibré, on ne peut pas parler de l'alternance. C'est pour cela que nous avons créé ce mouvement-là, beaucoup plus tard, et pour créer un certain équilibre dans le paysage politique. Et nous l'avons atteint.